Bonjour Thierry Grandiot du service culture pour une page cinéma aujourd'hui avec le film de la semaine, le film de guerre très attendu qui s'appelle Fury de David Ayer avec Brad Pitt, Shia LaBeouf et quelques autres, que des garçons hein, pour tout dire. Et donc c'est un vraiment bon, c'est le film de guerre classique, assez hollywoodien, brutal, explosif, spectaculaire. On est en avril 1945. Bon, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la guerre ne s'est pas arrêtée au débarquement et à la libération de Paris. Il y a eu encore 8 ou 10 longs mois dans la boue, la neige, traverser le Rhin, les Ardennes, aller jusqu'au lac de Constance ou bien à Berchtesgaden. Ça a été en fait une très 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 sale guerre avec les nazis qui se battaient pied à pied, qui s'arc-boutaient sur le moindre bout de terrain, qui envoyait des enfants, des filles, des petites filles, des petits garçons vêtus d'un uniforme se battre contre les alliés qui arrivaient. Et quand ils refusaient d'endosser l'uniforme, eh bien, ils les exécutaient, ils les pendaient. Donc voilà, c'était une très, très, très sale guerre. On n'en a pas souvent parlé, pas assez parler. Et là, David Ayers, avec Brad Pitt, rentre vraiment dans le dur du sujet. Il n'y a pas du tout de fioriture. On est à l'intérieur d'un tank pendant 2 heures et 15 minutes ou quelque chose comme ça. On est secoué, on est tourneboulé. Il faut prendre des décisions très vite. Justement, quand un enfant vous braque avec un fusil, qu'est-ce que vous faites? Vous lui tirez dessus ou pas? Bon, voilà. Ils sont... Au début, ils sont 4. Donc, il y a Brad Pitt, c'est War Daddy, c'est le chef du tank. Il y a le pilote, le mitrailleur, etc. Ils ont quand même, derrière eux, 3 ans de guerre. Ils ont commencé en Afrique avec le renard du désert, Rommel. Ils ont remonté l'Italie. Donc, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Ils se sont endurcis. Et parfois, la frontière morale entre le bien et le mal, eh bien, ils ont... du mal à la voir, et parfois il serait tenté de la passer. Heureusement, War Daddy, donc Brad Pitt est là, et remet tout le monde dans le droit chemin quand ça menace de déraper, notamment envers les jeunes filles qui croisent sur leur chemin. Voilà, c'est très 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 fort, c'est vraiment un film de guerre qui restera dans les annales, c'est vraiment du grand grand cinéma. Bon, je l'ai dit, c'est un petit peu hollywoodien, parfois il y a des facilités, mais quand même, ça se couvre.